Direction la Côte d'Ivoire. Visite de Tidjane Thiam dans le Gueumont, les militants PDCI mobilisés pour la victoire à la présidentielle 2025. Le mercredi 23 octobre 2024, Tidjane Thiam, président du PDCI, est allé à Duikwe toucher du doigt les réalités que vivent les militants de base du PDCI, parti politique dont il est le président. Mais en plus, il a visité tous les centres d'enrôlement. À l'étape de Ponanwanlo, département de Duikwe, Tidjane Thiam a été accueilli par une massive foule lors de sa visite sur le site de la révision de la liste électorale, RLE. La chargée de la mobilisation, Douohan Marie, épouse de l'ex-ministre Yapo Kalis, a conseillé toutes ses sœurs Wé, ainsi que celles des communautés Baoulé, Bété, vivant à Duikwe dont elle est originaire, à se faire enrôler sur la liste électorale. Levons-nous tous derrière notre champion, le président Tidjane Thiam pour la victoire au soir du 25 octobre 2025 du PDCI. Faire enrôler les parents. Mais avant, il faut que toutes nos sœurs, les jeunes et les vieux se fassent enrôler. C'est d'ailleurs pour cela que nous, en qualité de cadre, allons chacun à son niveau, user de tout, pour faire enrôler nos parents. Voilà pourquoi mon appel est que les parents sortent massivement pour les quelques jours durant lesquels se tiendront la RLE, a affirmé l'épouse de l'ex-ministre Kalis Yapo. Elle promet mener des actions de sensibilisation, afin de porter Tidjane Thiam au pouvoir d'État. À son tour, Madame Sangaré Victorine a lancé un vibrant appel aux parents à se faire enrôler. Pour elle, la politique de Tidjane Thiam rime avec les attentes des femmes. Au regard donc de l'importance du sujet, elle promet mener des actions de sensibilisation, afin de porter Tidjane Thiam au pouvoir d'État, à travers les futures présidentielles. Douo Alain a dit que vu les enjeux, il a déjà fait établir des certificats pour des jeunes au nombre de 90 personnes. J'ai également fait des requêtes au niveau de la sous-préfecture de Ponanwanlo, où j'ai déposé 185 requêtes. Outre de l'acquisition de ces certificats, j'ai fait enrôler 25 personnes dans le village de Ponanwanlo. À ce village, on ajoute les villages de Gaison, Tobli Bangolo, Nabadi et Bangolo où les mêmes actions ont été posées, a-t-il fait savoir avant de promettre que lui et ses pairs, on a aussi essayé de faire revenir au PDCI des militants, via ce processus d'enrôlement.